C'est juste parler de mon ami Olukpacha. Voilà, il y a eu des trucs qui se sont passés sur les réseaux sociaux où j'ai peut-être mal agi à son égard parce qu'après tout, c'est mon ami. Voilà, après tout, c'est mon frère. On a été dans la même maison, on a été à la même famille, Euro Gang. Voilà, c'est pas aujourd'hui on a fait des histoires entre nous. On va se créer des querelles au fait. Mais moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est juste dire à mon frère, je suis désolé pour tout ce qui est arrivé parce qu'arrivé, faut. Quand tu penses que tu as fait du tort à ton frère, il faut lui demander pardon. Voilà. Il n'a pas aimé ce que j'ai fait, les vidéos que j'ai parlé. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, à la base. Je procède, adhère, firmement. Bonjour les amis, bien avant que je vous laisse l'intégralité de la vidéo, pas extraordinaire, de façon, je dirais, incroyable, on voit Vetulolas s'excuser auprès de Olukpacha, qu'il avait littéralement clashé il y a quelques semaines. Bon, moi je trouve que c'est un acte de grandeur, c'est un acte de sagesse, voilà. C'est pas celui qui demande pardon qui est forcément le plus faible, voilà. C'est juste une manière de montrer sa maturité. Mais en même temps, bien avant, comme je vous ai dit, de vous laisser l'intégralité de la vidéo, je vais dire deux petites phrases à Vetulolas. Vetulolas, tu sais, comme je disais dans mes deux vidéos précédentes te concernant, on ne fait pas le buzz avec tout. J'ose croire jusque-là que ce n'est pas du buzz. Parce que quand moi je t'ai vu en direct sur ton compte Facebook, Ozias, j'ai cru et j'ai vraiment cru que tu venais nous expliquer clairement cette histoire de prison, cette histoire de meurtre et tout. Mais apparemment, ton approche nous fait croire que tu es voulu en train de faire du buzz. Voilà, tu es voulu en train de faire du buzz parce que je ne comprends pas. Je comprends pas parce que, logiquement, les dernières informations sur ta page Facebook, c'est quand tu criais même au secours que actuellement tu te retrouves dans un endroit qui n'est pas chez toi parce que tu as voulu aider des personnes qui se chamaillaient. Et malheureusement, il y a eu des cas de meurtre après. Donc, quand tu sors indirect, logiquement, c'est sur ce sujet-là que tu dois te prononcer. Mais tu nous sors une histoire de Olukpacha, tu t'excuses parce que c'est ton frère, blablabla, blablabla. Et vers la fin, je dirais, il y a quelques secondes, tu nous parles de... Actuellement, il y a une histoire sur toi, une histoire de meurtre, et tes fans sont en train de t'appeler, sont en train de te crier, tes fans s'inquiètent. Donc logiquement, si tu savais vraiment que tes fans s'inquiétaient pour ce sujet-là, c'est parce que celui-là que tu devais commencer. Parce que Olukpacha, tu n'as pas besoin de venir publiquement lui demander pardon, pour qu'il accepte ton pardon. Si tu l'avais appelé, même tu allais, ou bien tu partais à sa rencontre pour lui parler, je pense que ce serait préférable. Mais je ne vais pas trop vite parler. Je pense que tu ne fais pas du buzz. Parce que je t'ai dit, voilà, c'est pas de la malédiction, mais je t'ai dit parce que j'ai une certaine expérience dans ces histoires de buzz-là. On sait comment ça commence, on sait jamais comment ça termine. Et il faut savoir aussi que le buzz, ça ne dure pas. Donc, sache qu'on t'attend. On attend vraiment que tu nous donnes tous les détails de cette histoire. Que ce soit un buzz ou pas, il faut que tu nous soutiennes. Voilà, il faut vraiment que tu nous soutiennes. Donc, bon visionnage à tous. Et puis, écoutez les propos de Vetulolas à l'endroit de Olukpacha. Ouais, bonjour chers fanatiques, j'espère que vous allez bien. Et ce matin, je ne vais pas trop durer dans le direct, je ne vais pas trop emmerder les gens, je ne vais pas trop fatiguer les oreilles des gens. Voilà. Et vu que vous connaissez la situation actuellement qui se passe dans le pays, et par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous voyez vous-même actuellement, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Voilà. C'est juste vous dire. Moi, je viens, j'ai bien garé. J'arrive. C'est juste parler de mon ami Olukpacha. Voilà, il y a eu des trucs qui se sont passés sur les réseaux sociaux où j'ai peut-être mal agi à son égard parce qu'après tout, c'est mon ami. Voilà. Après tout, c'est mon frère. On a été dans la même maison, on a été à la même famille, Euro Gang. Voilà, c'est pas aujourd'hui on a fait des histoires entre nous. C'est créer des querelles au fait. Mais moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est juste dire à mon frère, je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. Parce qu'arrivé, c'est faux. Quand tu penses que tu as fait du tort à ton frère, il faut lui demander pardon. Voilà. Il n'a pas aimé ce que j'ai fait, les vidéos que j'ai parlé, où j'ai parlé de lui, tout ça, en disant qu'il a fait ceci, cela. Franchement, c'était pas à moi, à mon niveau, en fait. C'est pas moi qui devais le faire. Mais après, j'étais fâché. La colère aussi m'a laissé. Je me suis laissé emporter par la colère. Voilà. C'est pour mon frère Olukpacha. Tu sais, Olo, moi je t'appelle pas Olukpacha, je t'appelle Didier. Voilà, parce que tu t'appelles Didier. Tu sais, c'est la vie. Voilà, il y a des choses qui devaient arriver. Et
souvent la colère nous laisse faire des bêtises. Du coup, moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est pardon, tu es un frère. Voilà, tu es un frère à moi. Laisse tomber, c'est la famille. Il ne faudrait pas qu'on se voie dans la rue, on va se dépasser, garder les rancœurs, les trucs comme ça, c'est pas bien, c'est la famille. Tu es un frère. Moi, je te demande pardon en direct. Voilà. Je ne devais plus faire. Mais là, je suis obligé de faire une direct pour te demander pardon parce que là, tu n'es pas content du tout. Je te demande pardon, tu es un frère. Ça reste entre toi et moi. C'est la famille. Voilà. Merci parce qu'on s'est eu au téléphone le matin, tu as décroché, on a parlé. Tout ce que j'ai à te dire, frère, c'est pardon. Voilà, j'ai pas peur, mais le pardon, c'est très important dans la famille. C'est la famille. Les gens parlent actuellement qu'Ozia c'est en prison, Ozia s'est enfermé, Ozia a été enfermé, Ozia s'est suicidé, cela, il a fait ça, il a fait ça. Ozia est là, il n'y a rien. N'ayez pas peur. Voilà. Il a toujours dit ce que mon frère a laissé là. Ce que les Chinois ne comprennent pas, c'est que ce que mon frère a laissé là, moi, il continue ça. On ne laisse pas. Voilà, pour que ça, faut que ça soit continuel, voilà. On dit parce que Yoro est mort, aujourd'hui, il y a des gens qui font vidéo. C'est notre téléphone, ce sont nos unités, c'est notre passe internet. Voilà, c'est famille. Olupacha, tu restes un frère, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Voilà. La vie d'un homme, là, ne se limite pas à la souffrance ni à la galère. Dieu a sa main sur tout le monde. Amen. Si Dieu a sa main sur la chance de tout le monde. Ça peut sourire n'importe quand, on ne sait jamais. Voilà. Tu peux marcher et puis demain te retrouver dans une grosse voiture. Tu peux marcher et demain te retrouver dans... Tu peux dormir dans la rue et te retrouver dans... Comment dirais-je dans une grosse villa. Voilà, c'est Dieu. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Vous me voyez ici bien frais ce matin. C'est Dieu, c'est pas moi. Olo, tout ce que j'ai à te dire, c'est pardon, mon frère. Je répète, pardon, 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 pardon. Pardon. Ouais. C'est pardon que j'ai à te dire. On ne va pas rentrer dans beaucoup de détails. Vous avez vu la vidéo, ça tournait un peu partout. Mais il y a eu des méchantes personnes qui étaient aussi avec moi, qui étaient pour cette vidéo, que je dénonce. Que je n'ai pas peur de dénoncer. Je vais te dire les noms. Voilà. Parce que Olo, Didier, a été un frère pour moi. Je me rappelle très bien, il était avec moi aussi. Donc, ce n'est pas ce frère-là que je vais dénigrer comme ça. Olo Pacha, tu restes mon frère. C'est la famille. Voilà. Tu es fâché, moi, je te demande pardon. Tu es fâché contre moi, je te demande pardon. Et c'est en plein direct. La Côte d'Ivoire nous regarde. Tous les fanatiques nous regardent. Les Chinois nous regardent. La Côte d'Ivoire même nous regarde. Les Ivoiriens nous regardent. Moi, tout ce que j'ai à te dire, frère, c'est pardon. Voilà. C'est pardon. Voilà. Ça fait partie de la vie, le pardon. Je te demande mon pardon sincèrement. Je te demande pardon sincèrement, Olo. C'est la famille. Merci, c'était Ozias. Je ne ferai plus de direct ici. Ça, je l'ai dit depuis. Je suis sur ma page maintenant. C'est là-bas que je fais mes directs. Ashama Draman. T'es juge ou quoi? T'es juge ou bien t'es avocat? La vie change vite, hein, champion. Moi, je réponds plus aux trucs comme ça, mais la vie change vite, papa. Ça peut faire 2 semaines, il n'était pas au niveau de quelqu'un, mais actuellement, il ne faut pas causer à moi, champion. Je ne suis pas ton camarade. On n'est pas la même chose. Il fait ce direct là pour te présenter mes excuses à mon ami. Tu n'as pas me dit que tu as avoué que tu as menti ou bien avoué que tu as pas. Ça, c'est plus à ton niveau. Moi, c'est pour dire pardon à mon ami parce que j'ai fait un direct pour parler de lui. Donc, j'ai refait un direct pour lui dire pardon. Ça, c'est un homme qui parle. Je suis un garçon et puis je parle. J'ai dit pardon à mon ami. Parce que le pardon là, c'est ce qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire ici pour la réconciliation, pour tout. Pour que tout marche à niveau, pour que tout soit bien encore. Voilà. C'est nous les juges. Toi, t'es juge. Faut aller pencher tes souliers ailleurs. Là. Moi, il y a trop de problèmes à aller là. Attends, t'es là, là. Tu parles des trucs, tu parles, tu fais quoi avec qui? Non, là, les pros, les grands footballeurs qui nous font. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. On a des masses gradées derrière nous. Fondation Masse Gradelle arrive. À 16h, vous aurez Fondation. Il va avoir son son parce qu'il ne vous donne pas le son. J'ai donné ça à mon pro. J'ai envoyé ça à mon boss Vino, l'ambassadeur, tout à l'heure. Quand on dit 16h, le son avec lui. C'est le travail ou rien. Maintenant, concernant mon arrestation, partagez ma vidéo concernant mon arrestation. Je vais vous expliquer un peu.
partagez la vidéo. On a 72 personnes. C'est vrai, il y a d'autres qui sont en train de travailler. Il y a d'autres qui sont un peu dans les courses, les business, les affaires. On va pas trop les déranger, mais partagez la vidéo dans le groupe pour qu'on puisse en parler par rapport à ma situation actuellement. Ouais, parce que là, j'ai dû faire un truc aujourd'hui qui se retourne contre moi. Voilà. Aujourd'hui, la situation se renverse sur moi parce que j'ai voulu aider un couple. Partagez la vidéo parce que là, ça devient sérieux. Il faut que je vous explique parce que les gens aujourd'hui, comment dirais-je, ils ont envie de savoir beaucoup de choses. Voilà pourquoi d'autres expliquent du n'importe quoi sur la vie des gens sans savoir vraiment la vraie vie de la personne. Voilà. Voilà, ce que j'ai dit ce matin-là, c'est concernant, j'ai parlé de mon frère Olo Pacha, j'ai présenté mes excuses. Mais en même temps, il y a une situation qui se passe ici en Côte d'Ivoire actuellement. Mon nom est dans une bêtise, une grosse bêtise. Une grosse bêtise. Une très grosse bêtise. Une affaire de meurtre. J'aimerais expliquer ça à mes fans, à mes vrais fans. Je ne suis pas en train de parler aux gens qui insultent les gens là. Ça, eux, ils ne les regardent pas. Ceux qui veulent se moquer des gens là, moi, ils ne les regardent pas. Voilà, ils parlent de ma vie. Donc c'est à mes fans, qui sont en train de pleurer. Mes fans, ils voient des messages, ça m'envoie des messages, ça m'écrit sur WhatsApp, ça m'écrit sur ma page officielle, qui est Vetu Loulas. Voilà, c'est à eux que je parle, le reste, moi, m'en fous de vous. On a 82 personnes, 81 personnes, moi, je coupe mon direct, il y a fort. C'est quand il est revenu en direct, il sait que vous allez partager mon direct. Il y a fort, on est ensemble. C'était moi, c'était Ozias, on est ensemble.